الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. Riyad al-Salihin, chapitre 217, de l'obligation du jeûne en Ramadan. Dans le Coran: ô vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit de même qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Sourate 2, verset 183. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé comme guidance pour les hommes et exposé des critères de la vérité, celui d'entre vous qui aura vu le commencement du mois doit le jeûner. Quant aux malades et aux voyageurs, ils compenseront les jours non jeûnés par un nombre de jours équivalent. Sourate 2, verset 184. Les hadiths. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, propos qu'il tenait lui-même de Dieu jalla wa ala. Toutes les œuvres des fils d'Adam lui appartiennent en propre à l'exclusion du jeûne qui m'appartient et que je récompenserai moi-même. Le jeûne est une protection. Quand vous jeûnez, abstenez-vous d'être grossier et bruyant, et si quelqu'un vous insulte ou vous défie, dites « je jeûne ». Par celui qui tient l'âme de Mohammed entre ses mains, l'haleine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur connaît deux moments de joie, le premier lors de la rupture du jeûne et le second lors de la rencontre avec son Seigneur, avec son jeûne pourviatique. Dans une autre version d'Al-Bukhari, on trouve ceci: mon serviteur a délaissé le boire, le manger et ses désirs charnels à cause de moi. Or, le jeûne est à moi et c'est moi qui le récompense et la bonne action sera comptée au décuple. Et dans une version de Muslim, on trouve: toutes les œuvres des fils d'Adam sont multipliées par un nombre variant de 10 à 700 fois, si ce n'est le jeûne selon ce qu'Allah Jalla wa Ala a dit. Car il m'appartient moi et c'est moi qui le récompense. Mon serviteur a délaissé ses désirs charnels et ses appétits à cause de moi. Or, le jeûneur aura deux motifs de se réjouir: l'un lors de la rupture du jeûne et l'autre lors de la rencontre avec son Seigneur. Et l'haleine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam:
Quiconque fait don de deux bêtes pour la cause d'Allah, ou quiconque accomplit deux œuvres pies au service d'Allah, sera appelé au jour du jugement de toutes les portes du paradis. Ô serviteur de Dieu, voilà un grand bienfait. Celui qui se sera consacré à la prière sera appelé d'une porte réservée à la prière. Celui qui est au nombre des guerriers au service de Dieu sera appelé par une porte réservée à la guerre sainte. Quiconque est au nombre de ceux qui pratiquent le jeûne sera interpellé d'une porte qui a pour nom Rayyan. Et celui qui pratique le jeûne sera interpellé par la porte réservée au jeûne. Abu Bakr radiyallahu anhu demanda « Ya Rasulallah, toi qui m'es plus cher que père et mère, il n'y a aucun profit particulier à entrer par l'une de ces portes. » C'est-à-dire que le but est atteint avec l'accès au paradis et ce, quelle que soit la porte. « Mais y a-t-il quelqu'un qui sera interpellé de toutes ces portes ?»« Oui, et j'espère que tu en feras partie, » lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a au paradis une porte qu'on appelle Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs au jour du jugement. Son accès leur sera réservé. On demandera, où sont les jeûneurs? Ils se lèveront et seront les seuls à pénétrer par cette porte. Quand ils seront entrés, cette porte sera refermée sur eux et nul n'y aura plus accès. Abu Sa'id ibn al-Khudri radiyallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Tout serviteur qui jeûne un jour pour la cause d'Allah aura le visage préservé du feu par Allah pendant 70 ans. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque jeûne à Ramadan avec foi et sincérité se verra pardonner ses péchés antérieurs. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Quand vient Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jeûnez Ramadan dès que vous le voyez et rompez dès que vous voyez la nouvelle lune qui en marque le terme. Et si la vision se révèle impossible, considérez que le mois de Sha'ban a 30 jours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous ai multivédio. Une en langue arabe et une en français. Les preuves sont là. Il ne faut pas dire que je ne comprends pas l'arabe ou je ne comprends pas le français. Alors si je ne comprends pas, alors c'est à vous de m'expliquer. J'ai mis presque 20 ans pour comprendre et pour la partager à mes frères et sœurs. Je vous demande une chose. Allez demander aux imams et aux savants pourquoi cette porte El Rayyan est réservée que aux jeunes. Barakallahu.